Oh, un déchet! Je vais le ramasser. Non, arrête! Je m'en charge! Oh, Ben! Voici donc la grande fierté de notre ville, la toute nouvelle... Oh, mais où ai-je la tête? En fait, c'est par là. Non, ne vous retournez pas. Admirez la jolie vue. Oh non! Ben, ne panique surtout pas. Il faut ramasser ces ordures. Mais comment? Oh, j'ai trouvé. Mila, Gégé, Benoît, vite, venez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as besoin d'aide? Et là-bas, en direction de l'est, vous pouvez apercevoir... Oh non, où est-ce que vous allez? Il faut vite nettoyer la plage. Utilisez vos seaux et vos pelles. Oui, Ben, d'accord. C'est bien, mais dépêchez-vous. C'est trop tard maintenant. La plage n'aura pas le ruban bleu. Ce n'est pas grave, Ben. Tu as fait de ton mieux. J'ai encore paniqué, c'est ça? Peut-être juste un petit peu, mais cette fois, tu as essayé de réparer ton erreur. Tu as eu une bonne idée de demander aux petites fusées de t'aider à ramasser les ordures. On peut être fiers de la belle plage qu'on a construite. Et on devrait en profiter. Zoé, c'est une excellente idée. Landine, ce n'est pas encore l'heure de rentrer à la maison. Non, c'est l'heure de manger une bonne glace. Vous méritez bien une glace après avoir autant travaillé sur la plage. Oh, génial! Grimpez à bord de votre marchand de glace ambulant. Ding, ding, ding. Glace chocolat vanille fraise. Ding, ding, ding. Les tours vont s'écrouler. Zoé, je crois que le château de sable a besoin d'être consolidé. C'est un travail minutieux pour Bob le bricoleur. Puis-je ajouter un élément décoratif? Quoi? On a finalement obtenu le ruban bleu? Oui! L'inspectrice a dit qu'elle n'avait jamais vu dans toute sa carrière les habitants d'une ville s'impliquer autant pour que leur plage soit propre et nette. Je n'en reviens pas, c'est fantastique! Beau travail, équipe Bob! Mais où est passé Ben? Tiens, voici pour toi, Ben. Merci de nous avoir aidés à obtenir le ruban bleu pour la nouvelle plage de Springville. Félicitations, Ben. Bravo! Je suis content qu'on ait réussi à tout nettoyer. J'ai une bonne nouvelle. Notre prochain chantier sera très salissant. Oh, youpi! J'adore les chantiers salissants. Certaines parties du château ont été construites il y a plusieurs centaines d'années. À l'époque des princesses, des princes et des chevaliers à l'armure étincelante. Comme le prince Roger de Beaufort. Il a été le tout premier chevalier du château de Beaufort. Je suis le prince Léo, le chevalier à l'armure étincelante. Chargé! Mais Bob, le prince Roger chargeait quoi exactement? On dirait qu'il allait foncer droit dans le mur. Chargé! C'est à cet endroit précis que nous allons travailler aujourd'hui. Regardez, si on se réfère au plan d'origine du château, il y avait une magnifique arche ici. Le prince Roger pouvait aller se promener près des douves en passant sous l'arche. Notre travail consiste à la reconstruire pour que les visiteurs puissent faire comme lui. Tout ce que je vois, ce sont des arbres avec des branches tordues. C'est par là qu'on va commencer. On va dégager les deux côtés de la muraille. Allez, au travail, on dégage la muraille. Voilà, l'ancienne arche. Je ne vois qu'un mur de pierre avec... plein de pierres. Tu ne vois pas la forme arrondie de l'ancienne arche? Oh.
Ces pierres sont les pierres d'origine. Celles-ci sont beaucoup plus récentes. Elles ont servi à boucher l'ouverture. Pourquoi on a bouché l'ouverture? Pour que les dragons n'entrent pas. Ni les méchantes sorcières. Je ne crois pas. Les dragons et les sorcières n'existent que dans les contes de fées. Tu en es sûr? Ah! C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un dragon? Le bruit vient de la statue. Elle est vivante! Oh, c'est juste Monsieur Bentley. J'aurais préféré que ce soit un dragon. Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Alors, l'équipe, on commence tôt aujourd'hui parce qu'on a une journée très chargée. On va se séparer en deux équipes. Léo, Rouleau et Tourneboule, vous venez avec moi. Désolé. Ouille. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? Bon, pendant que Zoé et son équipe seront sur leur chantier, vous serez avec moi à la plage pour construire un stand de crème glacée pour le chef Papy. Mais toi, Scoop, tu ne travailles pas aujourd'hui, je veux que tu te reposes. Tu as creusé beaucoup de trous ces derniers jours. Et c'est quand on est fatigué qu'il y a des accidents. Si tu prends soin de toi aujourd'hui, tu seras en pleine forme demain. Tu as un Tokiwoki avec toi, tu pourras toujours me joindre en cas de besoin. Oh, d'accord. Tu verras, ça te fera du bien. Bob, si on finit tôt, on vous rejoindra à la plage cet après-midi. Chouette! Bon, on y va, en route. Direction la plage. Tu en as de la chance, Scoop. J'adorerais avoir un jour de repos. Vraiment? Qu'est-ce que tu ferais pendant ton jour de repos? Moi, j'irais sûrement à la plage. Oh! Attendez-moi! Chef Papy, vous avez choisi l'endroit parfait pour votre stand de crème glacée. Merci, Coxigru. Aujourd'hui, ça va être le jour le plus chaud de toute l'année. Alors, je me demandais, Bob, tu penses que le stand pourra être prêt pour cet après-midi? Parce que tout le monde voudra se rafraîchir avec une bonne glace. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Je m'ennuie. Si seulement il y avait quelqu'un pour jouer avec... Hé, Sardine, tu veux faire un truc? Oh, on pourrait faire un jeu. D'accord, je ne connais pas ce jeu. Est-ce que je dois tout faire comme toi? Je dois t'imiter? Sardine, tu veux jouer à autre chose? Sardine! Oh, qu'est-ce que j'aimerais être à la plage avec l'équipe. Hein? Voilà, Monsieur Bentley, ce terrain de jeu est en piteux état. Il faut faire quelque chose pour... Oui! Juste ça! Faites attention! Enfin, vous allez finir par vous faire... Attention, Monsieur Bentley! Les enfants, pourriez-vous arrêter vos cabrioles une petite minute? Désolé, Monsieur Bentley, mais on ne peut pas s'arrêter. On s'entraîne pour un concours. Si on fait la meilleure vidéo de sport de glisse, Springville sera élue ville la plus cool du monde. Ce qui ferait de moi le maire de la ville la plus cool du monde. Cette idée me plaît beaucoup. Ce vieux terrain de jeu tout décrépit ferait un skatepark idéal. Vous ne trouvez pas, Monsieur Bentley? Oh, mes lunettes sont tout de travers. D'ailleurs, je sais exactement à qui m'adresser. Un opticien? Non, Bob le bricoleur. Les petites fusées de Springville, Madame Madison m'a demandé de vous construire un nouveau skatepark pour que vous puissiez faire des vidéos de glisse qui ont du style. Oh, oh, super! On peut avoir une table et un tunnel et un bassin. D'accord. Léo, tu sais faire du skate? Moi? Moi, je vous parie que Léo est un skateur super doué. Ce n'est pas vrai? Oui, bien sûr. Je suis trop fort sur un skate. Ouais! Tu vas vite?
Eh, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on me surnomme Léo l'éclair. Pourquoi tu as ce surnom? Parce que je suis rapide, comme l'éclair. Ah! Oh, je vois, c'est logique. Ce skatepark va être sensationnel. On va gagner le concours, c'est sûr. Oh, c'est pas vrai. Dans le règlement, il est dit qu'il doit y avoir 5 personnes dans une équipe. Et nous ne sommes que 4. Oh, prenez-moi dans l'équipe. Je suis super forte sur 4 roues. Regardez. Wow! Prenez Léo, il est encore meilleur. Oui, c'est le meilleur. Il est super fort en skate. Son surnom, c'est Léo l'éclair. Léo l'éclair? Est-ce que c'est vrai? Mais je veux être dans la vidéo, moi. Ouais! On ne peut pas vous prendre tous les deux. Oh! On devrait faire un concours de skate sur le nouveau parc pour décider qui en choisira. Si tu es d'accord. Bien sûr, une fois que la construction du skatepark sera finie. Chouette, ça sera le grand duel des skateurs. Ouais, Léo, tu es partant? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème? Tu sais faire du skate, non? Bien sûr, je suis partant. Léo l'éclair. Bon, la question est réglée. Mais maintenant, on a un skatepark à construire. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, ah, bonjour, l'équipe. Bonjour, Bob. C'est notre dernier jour de démolition, les amis. Quand on aura démoli cette vieille usine, on pourra commencer les travaux dans le nouvel immeuble. Trop bien! J'adore démolir des bâtiments. C'est trop amusant. Oh, Scoop! Enfin, ce n'est pas aussi amusant que de les construire, cela va sans dire. Mais la cheminée est très, très grande. Comment on va faire pour la démolir, Bob? On ne va pas la démolir, Ben. On va carrément la faire exploser. Ouais, avec des explosifs. Badaboum. Ce sera une explosion très contrôlée, Léo. Oh oui, bien sûr. Vous êtes sûr qu'on doit utiliser des explosifs? Ça a l'air très dangereux. Eh bien, nous avons suivi notre formation de démolition et nos certificats prouvent que nous sommes habilités à nous servir d'explosifs. Waouh! Un certificat pour pouvoir faire boum! J'en veux un, moi aussi! Mais est-ce que l'explosion va faire un gros boum? Je n'aime pas beaucoup quand le bruit est trop fort. Eh ben moi, j'adore! Un bon gros boum! Badaboum! Scoop! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut démolir l'usine? Oui, on peut! Écoutez tous les deux, vous allez casser les murs intérieurs et sortir les poutres ici, à l'entrée principale. Zoé et moi, on va démolir la deuxième entrée à l'autre bout du bâtiment. Avec des explosifs? Pas encore, chaque chose en son temps. D'accord, Bob. Rien ne pourra résister au pouvoir de Scoop le démolisseur. Ces booms soudains me font sursauter et me font peur. Je t'avais dit que je n'aimais pas du tout les gros bruits. Mais on a des tractopelles, des bricoleurs et des camions grues, Coxigru. C'est notre travail de faire des gros bruits. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'explosion de la cheminée. Tu vas voir, elle va faire un méga bruit, genre badaboum. Comme ça. Tu peux éviter de faire ce bruit. Quoi? Même pas un petit badaboum? Non, ça ne me